Bon allez, ça y est, on s'attaque à du lourd. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui, on va réagir à la bande-annonce du film En Avant, qui sera le tout nouveau film Disney-Pixar à arriver sur nos écrans, avant qu'on ait Soul en été. Vidéo réaction en haut à droite de votre écran. On retrouvera donc au casting pour ce film d'animation Chris Pratt et Tom Holland. Je vais vous lire le résumé. Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde. Une première bande-annonce était sortie, j'avais dans l'idée de faire une vidéo réaction, et puis en fait, je n'avais pas eu le temps, et maintenant est sortie une nouvelle bande-annonce, donc du coup c'est parfait, c'est le moment de réagir à cette bande-annonce, enfin cette nouvelle bande-annonce, elle est sortie le 26 novembre, ça fait très longtemps, oui. Donc allez c'est parti, on perd pas plus de temps, lumière moteur ça tourne, réaction, générique. Deuxième bande-annonce, c'est parti. Autrefois, le monde était rempli de merveilles. Tout n'était pas. Les licornes. Il y avait la licorne, ouais. Sirène, ouais. Mais elle n'était pas facile à maîtriser. Le monde trouva des méthodes plus simples. Pourtant, j'ose espérer qu'il reste un peu de cette magie en vous. Ah, papa. Ah bon, il est mort. Père tenait à ce que je vous le donne une fois que vous auriez tous les deux passé vos 16 ans. C'est un bâton de magicien. Papa était magicien. Quoi? Oh, génial. Cher Yann et Barley, je vous invite à l'aventure. Vous devrez trouver le sortilège qui me fera revenir pour une journée. Ainsi, je pourrai voir ce que mes garçons sont devenus. Ramener. Sérieux? À la vie. Mais non, ça se peut pas. Si, ça se peut. Avec ça. Je vais rencontrer papa. Waouh. La magie ne dure qu'une journée. C'est notre seule chance de ramener. Mais je suis nul en magie. Il va falloir qu'il s'exerce un peu. Menton droit, épaules relevées, pieds écartés et le dos un chou cambré. Les épaules. Concentrage. Ah, laisse tomber. Oh non. Autrefois, le monde était plein de merveilles. Ils sont trop mignons. Qu'est-ce que t'as dit? Oh non. Toi, t'es mort. Je crois qu'il reste encore de la magie. Waouh, c'est la faille de San Andreas. C'est ça qu'il nous faudrait. Un sort pour créer une passerelle magique sur laquelle tu peux marcher. Si t'es persuadé que la passerelle est là, elle sera là. Tu non. Arriver. Il va tomber. Oui, il tombe, il tombe, il tombe, j'en suis sûr. Ça va être un gag, il va tomber genre... J'ai pas assez de place sur mon bureau pour pouvoir tomber. Bon alors, qu'est-ce que je pense de cette nouvelle bande-annonce? Eh bien franchement, elle donne beaucoup plus envie de voir le film que la première bande-annonce. Oh, c'est tellement triste. Ça se voit tellement pas chez Disney un père qui meurt. Bon par contre, là, l'idée c'est de ramener à la vie le père une journée pour qu'il voit ce qu'est devenu ses fils. Yes. Et apparemment donc, le jeune personnage joué par Tom Holland, qui a 16 ans dans le film, n'a jamais vu son père. C'est peut-être le cas aussi de l'autre frère joué par Chris Pratt, mais on sent que celui joué par Tom Holland, ça lui tient à cœur, franchement. Et c'est lui qui va exercer la magie avec son petit bâton Gandalf. J'aimerais tellement qu'il nous fasse une petite parodie de « Vous ne passerez pas !» Ça me donne moins envie d'aller voir ce film que Soul, mais En Avant, ça peut être bien. Ça peut être bien parce qu'il y a tout l'univers magie, c'est fait pour un
plus jeune public que d'habitude, parce que d'habitude c'est vraiment pour petits et grands. Là ça a l'air d'être un tout petit peu plus pour les petits, mais à voir quand il sortira le 4 mars 2020 dans les salles. Peut-être qu'il y aura différentes couches de lecture et donc du coup peut-être que ce sera fait pour les petits et pour les plus grands, surtout avec la question du deuil de ses parents et pourquoi pas l'entrée dans la vie adulte où il doit faire ses propres choix, où il doit se débrouiller tout seul. Oui bon, je sais, je théorise. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, c'était Esprit Z, coupé.